Bonjour à tous et bienvenue dans notre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Nous commençons cet agenda avec une session de louange et de restauration. Elle débutera le 23 juin à 22h et prendra fin le 24 juin à 6h. Cette soirée est organisée par la Fraternité Foi et Prière, un mouvement ecclésial qui compte aujourd'hui une soixantaine de membres aspirant à faire connaître la parole de Dieu et partageant une vie fraternelle. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette rencontre, vous pouvez vous rendre sur le site suivant www.foiepriere.fr. Les films s'inspirant de thématiques spirituelles et religieuses s'adressent à un public large car leurs enjeux sont universels. C'est pourquoi l'association Art, Culture et Foi, partenaire de l'édition 2018 de la Fête du cinéma, vous convie à une table ronde et à trois projections de films du 30 juin au 3 juillet prochain à Paris. Au programme, une table ronde au Collège des Bernardins, intitulée « Éric Romer, conteur spirituel », puis des projections rencontres au cinéma MacMahon, en présence des réalisateurs ou d'acteurs, avec les films « Des hommes et des dieux » le 1er juillet, « Le fils de Joseph » le 2 juillet et enfin « Les innocentes » le 3 juillet. Vous trouverez plus d'informations sur cet événement sur le site www.artcultureFoi-paris.fr. Ferez-vous partie du clan qui va conquérir le trône des sept églises? Un rassemblement chrétien œcuménique pour les 15-25 ans est organisé dans le diocèse d'Orléans le samedi 30 juillet prochain. Rendez-vous à l'église baptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec un pique-nique. Une soirée de louanges et un one-man show sont également prévus dans la soirée à la salle Montition de 20h30 à 23h. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.orléans.catholique.fr et pour vous inscrire, vous pouvez écrire à gameofchurches@gmail.com. Nous terminons cet agenda avec une comédie musicale qui dépeint la vie d'Adèle Basse de Trinquelléon. Cette religieuse a été béatifiée cette année. Entre drame et humour, le spectacle revient sur les différents épisodes du parcours de cette missionnaire qui a fondé la communauté marianiste. Les enfants, à partir de 7 ans, peuvent assister à la représentation. Elle aura lieu le 24 juin à l'église Saint-Pierre de Montmartre à Paris à 16h. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.paris.catholique.fr. Si vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas à nous écrire à agenda@ktotv.com ou par courrier à l'adresse affichée sur votre écran. On se quitte en musique avec « Devenez ce que vous recevez », extrait de l'album « 20 chants pour la communion » de Chantons en Église. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end.